Hello, bonjour, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. Dans la vidéo de ce jour, nous allons voir comment tracer ce bustier avec une découpe superposée à la taille et des manches stylées. Il faudrait rappeler qu'il y a plusieurs styles de découpe, comme par exemple celui-ci qui a un calcul de mesure et la façon de positionner le tissu est différent comparé à celui-ci qui est encore vraiment plus avion avec une coupe particulière. Mais pour aujourd'hui, nous allons nous concentrer uniquement sur ce modèle que j'ai jugé bon pour les débutantes et pour ceux-là qui sont confirmés. Je te prie de regarder la vidéo jusqu'à la fin et moi je te dis à tout à l'heure. Dans un premier temps, il te faudrait avoir ton patron de base. Si tu n'en as pas, tu vas tracer directement et ensuite on va passer à la transformation. Ce que je vais faire, je vais pointer mon écart poitrine divisé par 4 par 2 et je vais tracer une ligne droite. Lorsque c'est fait, je vais descendre de 14 cm qui représente le niveau de ma petite carrue et je vais tracer de la manchure vers le milieu devant. Et cette ligne représente le niveau où mon bustier va commencer sur moi. Maintenant, je vais descendre je vais décaler de 1 cm et demi vers l'intérieur et 3 cm vers l'extérieur et je vais tracer tomber sur le bout de ma poitrine. Maintenant, je reviens vers mon dessous. Je vais faire pareil. Donc, je vais entrer de 1 cm et demi vers l'intérieur et je vais entrer de sortie de 4 cm et tracer tomber toujours sur la poitrine comme on a fait tout à l'heure. Maintenant, je vais chasser les deux, le côté pointu sur les deux parties que je viens de travailler. Et par la suite, je vais rallonger la longueur de ma pince que j'ai faite sur la longueur de mon corsage. À ce niveau, j'aimerais que tu regardes très bien ce que je suis en train de faire. Je vais former mon dessous-sein comme tu es en train de voir. Et pourquoi je le fais? Parce que je me suis rendu compte que à chaque fois que je laisse mon dessous-sein avec la première ligne, il y a toujours un souci. J'ai déjà remarqué ça plusieurs fois, mais j'ai décidé en fait d'expérimenter cette méthode et j'ai eu une réelle transformation. C'est la raison pour laquelle je te conseillerais désormais de travailler dans ce sens. Vous savez, quand on travaille, on acquiert des expériences et on essaye de s'améliorer. Maintenant, je vais venir travailler mon dessus-sein divisé par deux. La mesure que je trouve, je la pointe en éliminant la pince. Lorsque c'est fait, maintenant je vais venir pointer ma poitrine divisée par 4 et mon dessous-sein aussi. Donc, je vais pointer la mesure de mon dessus-sein normal. Voilà. Et la valeur que j'ai utilisée, la valeur de pince utilisée, je vais la renvoyer vers les côtés. Ça fait que mon dessous-sein est intact. Je vais faire pareil aussi avec ma taille divisée par 4 et je vais trouver la mesure et pointer. Maintenant, je vais venir pointer ma nouvelle emmanchure qui va partir de la ligne de ma poitrine jusqu'au niveau de ma petite carrée que j'ai eu à pointer tout à l'heure. Je reviens maintenant vers le milieu du devant. Je descends de 1 cm et je trace pour faire un peu ce côté descente. Et vers le bas, je vais descendre de 5 cm. Pour donner le V qui va venir s'arrêter à moins 1 cm du pli, comme je suis en train de faire là. Et toute cette partie-ci n'existera plus. Donc tout ce que je suis en train de faire en bleu là, ça n'existera plus. Maintenant, je reviens maintenant mesurer les deux longueurs de la pince. Et le décalage que j'obtiens, je vais tracer et tomber sur le bout de mon V que j'ai fait tout à l'heure. Voilà, on a fini. Le devant est terminé, mais je ne vais pas séparer les parties pour le moment, ce sera plus tard. Pour tracer mon dos, ce que je vais faire, on part toujours du patron de base, comme vous avez vu. J'ai délimité le niveau de la fermeture.
Maintenant, je vais prendre mon devant, le placer au niveau, à partir du niveau de la fermeture, et je vais juste caricaturer la manchure. La manchure, et je vais donner, mettre des indicatifs au niveau de la petite carrue, du niveau de la petite carrue du devant, et je vais le tracer sur le dos. Maintenant, lorsque c'est fait, ce qui me reste à faire maintenant à ce niveau, c'est de pouvoir cintrer déjà la partie du dos. Donc, je vais entrer de 1,5 cm pour pouvoir cintrer avant de placer ma pince. Lorsque ma pince est fermée, je vais venir pointer ma poitrine tout simplement et je vais pointer ma taille aussi. Donc, mais pour ça, je vais prendre la taille que j'ai utilisée sur mon devant pour que ce soit équivalent. Donc, je vais mesurer toute cette partie-là en éliminant la pince et je vais la placer sur mon devant, sur mon dos, pardon. Maintenant, à ce niveau, je vais décaler de 1 cm et rattraper les 1,5 que j'ai cintré tout à l'heure. Ceci pour pas que ça baille bien après. Parce que quand on fait généralement ce genre de truc, ça baille à ce niveau. Maintenant, je vais descendre de 3 ou 4 cm, mais c'est pas ce qui est sur la vidéo. Et cette partie dépend vraiment de toi. Si tu veux, tu descends. Si tu veux, tu laisses ça droit. Comme en fait, cela, ça dépend vraiment de toi. Lorsque j'ai cintré mon dos, maintenant, je vais revenir redéfinir le niveau de ma fermeture, la largeur de ma fermeture qui était prévue. Donc, on va partir du milieu de sa fermeture et on va pointer la valeur qui est prévue, partant de là où on a cintré. Donc, c'est cette ligne ici qui est la ligne désormais de départ. Donc, on va partir de là et pointer 3 cm sur toutes ces longueurs et tracer. Voilà, on a fini avec le tracé. Donc, voilà, je vais simplement tailler toute la partie en rouge ici. Et les côtés, et puis c'est bon. Voilà, c'est comme ça que le dos se présente. Et maintenant, pour le devant, tout ce qui est en rouge, là, je vais tailler parce que c'est ça qui représente désormais le patron. Tracer la découpe, je vais déjà délimiter la ligne qui va me servir de fermeture et je vais nommer les deux papiers, le dos et le devant. Donc j'ai plié les deux papiers en deux et je vais tracer une ligne droite qui sera la base. Maintenant je vais descendre de 3 cm et je vais pointer mon tour de taille divisé par 4. Lorsque c'est fait, je vais mesurer la longueur de ma découpe qui est vraiment au choix. J'ai juste pris une simple longueur comme ça, mais toi, tu vas prendre ta longueur à toi. Sur cette longueur, je vais pointer mon bassin divisé par 4 et je vais tracer maintenant partant de la ligne de ma taille jusqu'à la descente que j'ai eu à faire tout à l'heure. Maintenant, avec ma traceuse, je vais tracer la ligne qui va joindre la taille et le bassin. Lorsque c'est bon, je vais pointer la largeur de ma découpe. Vraiment, j'ai pris une simple largeur, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est juste pour montrer comment est-ce que ça se passe. Et maintenant, on va faire le bas, on va galber le bas. Toute cette partie-ci n'existera plus. Il ne reste plus qu'à tailler maintenant. J'ai fini de tailler, voilà, je vais ouvrir le devant pour que vous voyez et je vais séparer le dos comme c'était dans le pli. Maintenant, je vais refaire la découpe de ma taille, je vais la reproduire sur un autre papier parce que c'est à partir de là qu'on va pouvoir former le côté qui est superposé. Maintenant, je sépare les deux parties et je replie la copie que j'ai eu à faire. Je vais descendre
de 9 cm, c'est juste pour caricaturer. Après, tu vois, ça dépend vraiment de toi. Et vers le bas, je vais entrer de 3 cm tracé. Et au niveau du pli, j'ai décalé de 2 cm et demi. Voilà, pour avoir cette forme-ci. Maintenant, je vais nommer pour pas qu'on puisse se tromper les côtés et la taille. Et je taille tout simplement cette partie aussi. Bah, lorsque c'est taillé, je vais encore nommer ici pour qu'on puisse voir le bon côté, parce que tu peux confondre les côtés au niveau de ton tissu. Donc, il faut nommer cette partie-là. Et maintenant, je le pose sur la découpe. La découpe principale, la grande partie, je veux dire, et je vais maintenant sortir le côté arrondi qu'il y a sur le devant de la découpe. Donc là, je suis en train de faire vraiment à la main. J'ai pas déterminé un niveau. Donc c'est en fonction de la photo que je suis en train de travailler. Les parties qui sont un peu pointues, là, je vais un peu les arrondir pour que ce soit un bon arrondi. Là, le tracé est fini. On va passer à la prochaine étape. Pour tracer la manche, je vais poser mon mètre dans le sens parallèle en pointant mon tour de manche qui va d'un aisselle à un autre bout d'aisselle divisé par 4. Lorsque c'est bon, je trace une ligne droite. Maintenant, à partir de cette ligne droite, je vais prendre une largeur de 2 cm et demi qui sera la première bretelle. Donc vois seulement ce que je suis en train de faire. Tu vois, ça c'est la première bretelle sur la manche. Maintenant, je vais la tailler tout simplement. Lorsque c'est bon, je reproduis cette partie sur un autre papier pour te montrer la différence qu'il y aura entre les deux. Tu vois, j'ai procédé au même truc, mais quand on regarde ce que j'ai fait, il va falloir retracer ça sur un autre papier pour avoir le plus d'aisance qu'on a sur la manche. Donc, je repose tout simplement ma deuxième partie sur un autre papier pour ressortir encore cette forme et pour que ça soit encore un peu plus long. Donc, tu vois déjà que sur le papier, c'est en train de prendre la forme de la bretelle qu'on a sur la manche. Maintenant, je redéfinis mon tour de bras, parce que quand on taille dans le sens parallèle, parfois ça peut être un peu plus grand. Et je vais retracer tout simplement une ligne droite en posant ma traceuse comme ça. Et je taille tout simplement. J'ai fini de tailler. Maintenant, je vais nommer la première partie et la deuxième partie. Et plus tard, je vais séparer ça. Mais c'était juste pour vous montrer un peu l'allure de comment est-ce que ça se présente. Voilà, on a fini avec la bretelle. Voilà, le tutoriel est fini. Je vais faire un bref récapitulatif de ce qu'on vient de faire. Voilà le devant qui est là, et la partie du devant sera taillée en deux parce que c'est la partie où il y a le pli du tissu. Donc, et les côtés seront taillés deux fois. Voilà la bretelle que je vais tailler en deux. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, on va séparer ça pour pas que ça reste comme ça. C'est quand ça sera monté, qu'on va vouloir la monter, qu'on va les coller. Et voilà le dos aussi. Et la partie du dos, je vous ai dit tout à l'heure, cette partie, tu n'es pas obligé de la faire en arrondi. Tu peux la faire aussi droit. Ça dépend vraiment de toi. Il n'y a pas de protocole à ce niveau. Et voilà la découpe qui est faite. Donc, les parties qui sont superposées, on va tailler ça un de chaque côté. Après, tu vas tailler aussi le doublé, parce que ça ne doit pas être comme ça, ça doit être doublé. Maintenant, la grande partie de la découpe sera taillée dans le pli du tissu 1, surtout le devant. Et le dos sera taillé deux pièces.
Alors, on se retrouve pour la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo t'a apporté quelque chose de plus. J'espère vraiment que tu as été béni. J'espère que tu as acquis une connaissance de plus. En tout cas, moi, j'ai été ravie d'avoir passé ce moment avec toi. Mets-moi juste en commentaire comment est-ce que tu as... En fait, comment est-ce que la vidéo... qu'est-ce que tu as appris, voilà. Est-ce qu'elle t'a été utile? J'aimerais bien savoir qu'est-ce que tu en penses. Si ce genre de tutoriel t'intéresse vraiment, j'aimerais vraiment savoir et connaître ton avis. Et moi, je vais te dire à la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel d'Hawaï. Bye bye, reste béni. Ciao.